Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet que j'ai monté avec Solidarité Femmes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une association qui accompagne et qui héberge les femmes victimes de violences conjugales. Quant au projet, il est simple et il est assez connu. Le but, c'est de prendre une boîte à chaussures et de mettre dedans des choses qui sont utiles pour les femmes. Je sais que ça peut paraître très large, mais vous inquiétez pas. Normalement, il y a un petit dessin qui vous guidera pour savoir quoi mettre dans ces boîtes. Vous verrez que sur ce dessin, il y a plusieurs catégories. Et c'est important de mettre à chaque fois un objet dans chaque catégorie ou plusieurs, enfin c'est comme vous le souhaitez. Une autre chose, il y a la catégorie enfant. Vous n'êtes pas obligé de faire une boîte aussi pour les enfants, mais ce serait important de le préciser sur la boîte si c'est avec ou sans enfant. Encore autre chose, vous voyez qu'il y a une catégorie âme. Pour moi, c'était vraiment important qu'en fait, ça soit pas qu'on vienne pas juste leur apporter des biens matériels, mais que ça soit aussi du bien spirituel. Moi, je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il peut se révéler de n'importe quelle manière et que peut-être à travers ce projet, à travers les Bibles qui leur seront données, ben, que Dieu se révélera à elles. Donc voilà. Aussi par rapport aux enfants, si vous avez des Bibles pour enfants, des choses comme ça peut être pas mal aussi de donner ou des coloriages. Donc voilà, donnez des bibles, des versets illustrés, faites-leur des petits mots, soyez créatifs, voilà. Et pour tout autre renseignement, veuillez me contacter directement moi. Je pense que mon numéro sera affiché aussi en bas, donc vous pourrez me contacter. Vous avez jusqu'au week-end du 13-14 février, du coup, pour me rendre les boîtes parce que du coup, elles seront distribuées à l'association le lundi 15. Donc voilà, si vous pouvez éventuellement pouvoir les faire avant cette date-là, ça serait top. Voilà, donc si en même temps vous pouvez prier pour ce projet, pour que les femmes soient disposées à recevoir aussi des Bibles, et aussi prier pour, en termes généraux, à toutes ces femmes qui sont violentées par leur mari, parce que c'est quelque chose qui est d'actualité, et c'est un sujet qu'on n'en parle pas assez, qui pourtant elle est bien présente. Donc prions pour ces femmes, prions pour ces enfants maltraités aussi, et qu'elles soient vraiment dans nos prières. Donc voilà, merci d'avance pour ceux qui me donneront les boîtes et des nouvelles. Donc voilà. Bonne semaine à chacun, bisous!